Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter des cupcakes à la fraise. Donc la base de ce gâteau est un gâteau yaourt, donc on va utiliser le pot de yaourt comme mesure, donc pour mesurer tous les ingrédients. Ensuite on va les garnir de crème fouettée et de bonnes fraises bien fraîches. A tout de suite pour la recette. Donc ici dans mon saladier je vais casser mes deux œufs. Donc je vais ajouter mon sucre. Donc là, j'ai un pot et demi de yaourt de sucre et un sachet de sucre vanillé. Ici, je vais blanchir donc mes œufs avec le sucre et la vanille jusqu'à obtention d'un mélange beaucoup plus clair et bien mousseux. J'ajoute ensuite donc le yaourt. Donc moi j'ai pris un yaourt aromatisé au citron. Donc sinon vous pouvez utiliser donc un yaourt aromatisé à la fraise ou tout simplement un yaourt nature. Et je vais fouetter le tout ensemble à nouveau. Ici, je vais rajouter l'huile. Donc là, j'ai un pot de yaourt d'huile. Ensuite, ici, donc j'ai l'équivalent de 2,5 pots de yaourt de farine. Je vais rajouter un sachet de levure chimique. Et je vais venir donc incorporer ma farine dans mon mélange œuf sucre et yaourt et je mélange le tout délicatement. À gâteau est prête, donc là je vais venir la verser dans mes moules à muffins. Donc là j'ai mis des caissettes en papier et je vais venir les remplir aux 3/4. Voilà, ici donc j'ai fini de remplir tous mes muffins, donc j'en ai obtenu 12. Là, je vais les enfourner à 180 degrés pour une durée entre 20 à 25 minutes. Ici donc j'ai de la crème liquide dans laquelle donc j'ai 200 ml avec 50 g de sucre glace et je vais tout monter en chantilly. Ma crème chantilly est prête, donc là je vais la placer dans une poche à douille et je vais venir garnir avec mes cupcakes. Voilà, donc là mes cupcakes sont cuits, donc on obtient de beaux cupcakes bien bien moelleux. Donc là je vais les laisser complètement refroidir avant de creuser donc le milieu et de remplir de crème chantilly et de quelques morceaux de fraises. Là je vais venir donc découper un cercle et creuser un petit peu donc le cupcake pour vider le milieu et pouvoir donc le garnir de crème chantilly et de morceaux de fraises. Voilà comme ceci. Et je continue ainsi jusqu'à donc ce que je termine tous mes cupcakes. Donc ici j'ai placé ma crème chantilly dans ma poche à douille, donc je vais venir remplir donc le centre des muffins, donc je mets un tout petit peu de crème chantilly à l'intérieur. Ici donc j'ai quelques fraises que j'ai coupées en petits morceaux, donc je vais venir remplir le creux donc de mon muffin avec les morceaux de fraises.
Et là, donc, je vais venir garnir mes cupcakes avec le reste de crème chantilly. Et pour finir, donc, je vais déposer quelques fraises sur le dessus de mon cupcake pour les décorer. Et voici donc le résultat final de nos cupcakes. On obtient de jolis cupcakes bien moelleux, bien garnis de crème fouettée et de morceaux de fraises bien fraîches. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez pas à partager la recette autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïlys.